arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus de petit pote, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tuto 12 victoires les gars. En défi classique les gars, donc on va faire tuto 12 victoires avec mon deck tout simplement. Alors si je fais mon deck, c'est pour la juste pour la première série. On va essayer de faire plusieurs séries, donc ce serait bien, donc n'hésitez pas à me dire des decks en commentaire. Avant que la vidéo commence les gars, on n'hésite pas à s'abonner et à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir et merci à ceux qui le feront. Donc les gars, je vais expliquer ce que je fais avec mon deck, parce que mon deck, il est plutôt fort pour les défis. On va vous faire ça en 3 étapes, donc chaque fois il y aura 3 étapes, donc je vais faire 4 wins, 4 wins, 4 wins. Et puis voilà. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord en description les gars, ça me fait plaisir. Les gars, vous serez informés à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo au moins. Ou au pire, vous pouvez mettre la cloche aussi, ça marche très bien. Et puis voilà. Si vous avez des questions les gars par rapport à n'importe quoi, n'hésitez pas à me DM Insta les gars, il est en bas de mon overlay, donc voilà. Ok, c'est une petite voleuse, on va commencer tranquillement avec mon électro sorcier. Ok, ouais, ça me va, normalement on va pas dash, ouais, ok, on va courir. Bah, on assume le coup, c'est pas dramatique, franchement. Maintenant faut... Ouais. Alors là, avec mon deck, en général, on a bien ton Elixir x2, c'est là où je suis le plus avantagé. Donc, bien important, si vous voulez jouer mon deck, de ne pas jouer en Elixir x1, si le mec ne joue pas, si vous avez le choix, choisissez d'être en Elixir x2, soyez patient. Rien ne presse, et surtout que là, j'ai une plus bonne main de départ. Donc là, on va partir en sorcier. En général, on n'aime pas jouer le P.K. et le cimetière et ni le gel en Elixir x1. Voilà, ça, le P.K. ça va encore, mais le cimetière et le gel, on évite, hein, vraiment, on essaie d'éviter un maximum de jouer en Elixir x1, parce que c'est pas très utile. Ok, bon là, évidemment, les barbares d'élite qui vont se faire défoncer. Et on fait plutôt, en fonction, faire de bons dégâts, voilà, les mines bûches en plus. Donc là, on a un gros avantage en Elixir, là, on a plus 5, je pense, à peu près. Donc là, si on a un plus 5, on peut partir en cimetière, donc on met le placement ici, c'est ça. Dès qu'on a 10, on va la requérir ici, on aura terminé le cimetière et le gel. Donc là, on est à peu près à plus 1, peut-être plus 2, en fonction de... ça dépend. Ok, mais le boulis, on peut quand même cimetière. Là, on doit être à peu près... ouais, là, on est pareil. Là, hop, voilà, nickel, on peut directement le gel. La mamie, il faut la tuer le plus vite possible. Ok, la mamie qui est mort, ça, c'est plutôt Gucci. Là, je pense qu'on va aller prendre quasiment la tour. Hein. La tour qui va quasiment tomber sur ça. Ok, bon là évidemment, on sorcier, on sait pas chier. Oh, le sorcier qui carry, hein. On prépare la toto, ok, on nous met une troupe, on la met sur le tour du roi pour que le sorcier splash. Merde, j'ai pas exprès, on va pas faire grand chose. Bah ça splash quand même, il est un peu con. On va aller mettre la Valkyrie plus Lewis. On aurait pu mettre le P.K. mais je garde quand même ça en dunks. Bon, la dunks, c'est pas tant le dunks que ça, mais vas-y. Ça défend bien le boulis, au moins. Voilà, nickel, il met les trucs derrière, nous sommes... Frérot, il y a un P.K., ça ne passera pas, non. Bon, voilà, on gagne la première game assez facilement, contre un... on peut pas vraiment parler de match-up, hein. C'est pas un vrai deck, enfin, même si je pense avoir plutôt mon match-up, il a pas... quoi qu'il ait une mamie, quand même, hein, ce con. Mec, il a quand même une mamie. Ouais, checker à chaque fois le profil pour que vous voyez l'évolution des faits classiques des joueurs. Donc là, au tout début, normalement, on suit les mecs qui sont à moins de 5000. Ok, bon, lui, t'as 5000 trophées. Normalement, les mecs sont à moins de 5000 trophées. Ouais. C'est assez simple. Allez, on part. Avec. Rien du tout. Ok, il nous remet ça. On va lui mettre une Valkyrie. Tranquillement. Voilà, parfait. Peut-être du P.K. Brispan. C'est du P.K. Brispan. Donc là. C'est le but de jouer notre P.K. en deuxième pour le défendre et contre push. Ok, une boule de feu, très bien. On va aller activer la tour du roi sur ce play. Attendons de voir, est-ce qu'on y arrive? Non, on n'y arrivera pas, putain, bouffon. On avait mis une bonne tornade. Ok, il met une amie, donc là on peut P.K. Là c'est pas mal, là il a une amie, donc on peut P.K. parce que
Même si mes sont PK, moi j'ai le gel, j'ai le sorcier et je pourrais cimetière parce qu'il y a le plus son ami. Voilà exactement ce que je disais. Donc là on va simplement gel pour garder notre PK un maximum de temps en vie. Le but c'est qu'il ait le maximum de vie en sortant. Voilà nickel, alors on va prendre 0 coup de PK, voilà nickel. Là il a plus de mamie. Il a plus de PK. Donc là on est plutôt bien. Là il a normalement il a 7, il a 8 là, il va avoir... ouais, il a 8, le mur est 4, il va sûrement mettre un fantôme royal. Oh, il a une bûche, très bien. Le PK qui fait clairement le taf, hein. Le PK qui tank, on va essayer de zap. On va essayer de prendre cette tour, ce serait pas mal quand même. Ok, mais il est très agressif, ça ne servira donc à rien d'être agressif puisque j'ai une Valkyrie. Le mec joue mal, hein. Franchement, PK Bridgeframe, c'est un matchup pas facile, mais bon, le mec joue pas bien, donc c'est franchement chill. La Valkyrie qui va aller prendre, qui va rien du tout aller prendre, qui va aller mourir avant de prendre un coup sur la tour, c'est pas grave. Ok, re-PK, nous aussi on va re-PK. Là, je pense qu'on va pouvoir le compléter avec un sorcier en plus. J'attends de voir ce qu'il fait. Parce que j'ai pas forcément tout en gel, parce que sinon il pourrait changer le focus, etc. Donc là, je pense que je vais mettre un sorcier en fonction de ce qu'il joue derrière, sur mon ami, je suppose. Ok, il tente la dingue, hein. Je vais pas me faire chier plus que ça, on va les gel, voilà, nickel, exactement comme ça. Les PK s'annulent à gauche. On protège, bien évidemment. On va lui mettre un PK. PK qui fait le taf, il a pas l'arche magique donc on peut se permettre. Là ce qu'on peut faire, c'est comme il reste 200 HP, on s'en bat un peu les couilles, on peut mettre le cimetière un peu violo. Même s'il a une mamie, c'est pas trop grave parce qu'on a le gel. Le gel qui va tout simplement lui faire le taf. Hein, Alors là malheureusement les cochons sont bien disposés à défendre. Bon après nous on a porté le tornade donc ça va, bon voilà, on a pas besoin de tornade. Là sûrement on va être tout à run, c'est normal. Hop, on va les zap ça. On avait la Valkyrie, voilà exactement pour ça, et voilà. Voilà, j'ai pris très peu de dégâts, on essaie de bien jouer, on a pris notre temps. Je pense que c'est le plus important là, de prendre le temps, etc. Voilà, regardez le profil du monsieur, ouais, 5000 trophées. Pour l'instant, on dépasse pas les 5000 trophées, hein. C'est vraiment très très bas, donc ça va. Ok, là, une main de départ qui est vraiment claquée au sol. Donc là, je vais cycler mon zap pour trouver d'autres troupes. Ok, bon. Ça m'arrange pas, je vous avoue. On va mettre une Valkyrie. Je pense que je vais mettre un sorcier assez tôt. Genre, je sens que la Valkyrie passe un petit peu devant. Ok, là, comme ça, on va laisser taper le zappy. Oh. Ok. Pas de problème. Ok, non, ça c'est cool. Il m'a vraiment chié, genre. Ok, bon, non, mais je juge pas, hein, mais bon, voilà quoi. Bon, il a plus de sorcier, il a plus de sorcier, il a plus. Ok, bon. Le mec est un peu taré. Ok, il a une horde, on peut aller zap. J'arrive pas à cliquer sur mes troupes. Là on va aller forcément prendre la tour. Ouh, des barbares niveau 7. Après comme je vous dis, les frebagades et les filles classiques sont franchement très simples. Bon là sorcier va aller faire une balle de malade. Encore une fois, ces barbares qui se font défoncer. Hein. Il a Horde barbare qui est sensiblement sorcier, donc c'est vraiment chill. J'attends qu'il reparte en zapissement dès qu'il part en zapissement pour voir. On peut partir au Valkyrie cimetière. Alors on part quand même au Valkyrie cimetière. On a rien avec Sir x2 donc on aura le temps de PK. Là il va être dans la sauce. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il défend pas. Ouais, il en zap. Ok, histoire de pas prendre trop cher. Il va sûrement mettre un zappi derrière, je pense. Ok, ouais, ou une horde, ça marche aussi. Ok, on va éteindre ça. Ah, yes, j'ai quand même pris le coup, je suis vraiment qu'une merde. On va essayer d'aller prendre le coup de PK. Ok, c'est pas grave. Il va sûrement mettre un GR devant, donc là on prépare notre gel, bien évidemment.
Si j'y gère pas, on met un gel. Voilà, nickel. C'est exactement ce que je voulais. On peut mettre de la Valkyrie pour les soutenir ça. Voilà, c'est chill. Y a pas besoin de stresser ou de je sais pas quoi. Là, au cimetière, on prépare la tornade. Donc, ils mettent les barbares bien placés. Bon, il a fait pire. Oh, voilà, la masterclass du sorcier, gros. On va les mettre le deuxième sorcier et on va aller prendre cette victoire assez simplement. Peut-être le 3 coucou, ça peut être sympa, nickel, ça s'est fait plaisir. Le 3 coucou contre monsieur là. C'est sympa, c'est sympa. Voilà, regardez son profil. Bon, ouais. Voilà, il est en dessous de 5K. Étonnant. Le mec n'est pas ouf. Allez, on tourne sur Tiago Pro, c'est parti. Ok, je joue les archers, c'est sûrement de l'Arc-X. Arc-X, gros Arc-Hunter, hein. Pour ceux qui sont sur mes lives, ils le savent. Ok, on va faire le cimetière here. Ok, bon là ça me met. J'attends qu'il mette ses archers, voilà exactement pour ceci. J'ai raté un archer sur le bouffon. Bon, bah, le nez c'est quoi, hein. J'ai pas trop le choix. On va aller mettre le sorcier pour tuer l'archer. Et essayer d'aller dépop le plus vite possible l'Arclis qui va faire mal. Ok, bon, on a pris très cher. Donc là, comme il a plus son Arc-X, déjà ça me fait chier de défendre mon sorcier. Voilà. Bon, il va prendre des coups, ça c'est Gucci. Là, il a plus son Arc-X, donc on va partir en Pekka. Au pire, si vraiment il me rushait un Arc-X, on a la Valkyrie pour tanker. Le but, c'est d'aller prendre cette tour. Merde, mais putain, mais c'est pas possible. Yes, nice. Nice, let's go. Donc comment perdre? Bon bah ouais, moi là c'est la fin, hein. Je pense que je lose la game parce que j'ai mis click. Enfin, je mis click le cimetière, c'est terrible ça, c'est terrible. Hein. Je vais garder ça, on va arrêter de... Hein. J'en doutais qu'il allait faire ça. Maintenant, on va avoir 10 pour faire pour PK. Ok, on va PK à l'autre côté. Nickel. En PK à l'autre côté, ça va le faire fou chier. Ok, là, on peut mettre le sorcier pour aller dépop cet Arc-X. On va tenter de mettre les archers en plus ici. On va les zap bien évidemment. Voilà, nickel. On fait une bonne défense. Et là, le but, c'est de prendre plus en dégâts. Ok, un main Arc-X, on va mettre une Valkyrie tranquillement. L'Arc-X c'est complexe à gérer. Hein. On va aller mettre un PK ici pour aller défendre cet Arc-X encore une fois. Le sorcier pour bien évidemment aller dépop ça. Hop. Petit archer, on met un tornade. Sinon, ok, parfait, nickel, ça me va. On va aller au cimetière. Il sait qu'il, je sais qu'il y a les archers. Ce qui se passe, c'est qu'on a le gel nous. En fait, c'est seulement de splash le sorcier sur la tour. On de met de très bons dommages, donc ça c'est plutôt Gucci. Tire par en Arc-X, on a ce qu'il faut. Ok, par en Arc-X def, ça c'est cool. Je vais quand même défendre pour être sûr de pas prendre de coups. Je pense que je vais tenter un Arc-X au pont. Un cimetière direct comme ça. Un peu YOLO, mais c'est pas grave. On va aller mettre le gel directement avec le zap en plus. Faut peut-être prendre la tour, ça peut être pas mal. Non, on prend pas la tour, c'est pas grave. On aura assez pour PK. Hein. Et ça, je pense qu'il le sait. Voilà, nickel. Il n'a pas du tout à portée, là. Il n'est vraiment pas à portée. Il n'a plus de boule de feu en plus, donc ça, c'est plutôt Gucci. Là, on peut bien évidemment aller sorcier. Et là, je pense qu'on va honnêtement win sur ça. Ça va être très complexe pour lui de défendre. Allez, les squelettes, un petit effort. Voilà, nickel, ça fait plaisir, les gars. Le petit Arc-Hunter de Mathieu. Ça fait du bien, franchement.
Voilà, nous sommes en 4-0 les gars, c'était franchement facile. La dernière game, un petit coup de sueur quand même, l'Arkis qui est très complexe à gérer. Hein. Le mec, bon, il avait l'Arkis 13, bon après il est pas très fort mais. C'est pas grave les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Tous ceux qui sont restés jusque là, marquez hashtag Arkis les gars dans les commentaires. Et merci à tous ceux qui le feront, c'était un vrai coup. Ciao.